C'est court, oui. Ah bah oui, c'était court. Écoute, hein. Ah, on peut passer par là, je l'avais pas vu ça, putain. Là, on a une grâce. Une échelle ainsi qu'un jump. Est-ce que le jump nous amène aussi haut que l'échelle? Si c'est le cas, on va pas se casser les culs, on va prendre le jump, hein. Oh bah oui hein. Oh! Si ça c'est pas un boss. Ah, créature stellaire adulte. D'accord, c'est pour ça que tu me disais ça c'est un enfant la dernière fois. Ça va être cool ça. Aïe! Affronte-moi, démon! Non merde. Tu m'excuseras, démon, j'ai mis ce clic. Ah, je t'assure, c'est vraiment le taureau de Sekiro, quoi. C'est vraiment le taureau de Sekiro, quoi. Aha! Là, ça va péter là. Ok, donc magie gravitationnelle. Ah putain. Je dois l'avouer, tu fais des coups de cul impressionnants, hein. J'en ai vu des coups de queue dans ma vie, hein. Voilà, fallait que je la fasse. La petite vanne un peu dénigrante sur les coups de queue. On rigole. Toujours est-il que là, on rigole, mais ce boss est très très bon, hein. Il vient de me sortir un Kamehameha de l'espace là. Aïe. Le cucu! Dans ton cucu! Ah merde, je l'ai pas tué. Bon bah la tête est alors. À moins que... Vite, 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 tue-le. Ouais, non, là je voulais pas me la prendre cette attaque. Et voilà, salaud bestio. Exactement, voilà la version adulte. Et bien la version adulte est très très fun. Hein. Mâchoire de créature stellaire, c'était quoi? C'était une arme? C'est juste un objet clé? Inventaire, objet clé? Arme. Ah! Ça doit être rigolo ça par contre. Ça doit être très très rigolo. Ah oui, celle-là. Ah, c'est dans les trucs colossales. Arme colossale.
faut combien? Il faut 20 en intelligence. Ah oui, d'accord, ça a de la gueule quand même. Ouais, ça a de la gueule. Ça a beaucoup de gueule. Compétence unique, éclair gravitationnel. Vous imprégnez la mâchoire de la créature stellaire de foudre gravitationnelle et envoyez un projectile qui s'écrase non loin. Cette compétence peut être enchaînée rapidement. Oh. C'est sympa, j'aime bien. Tu vois, celui-là, ça m'aurait pas déplu, tu vois, d'avoir à le faire. Bon, là-bas, on a le manoir dégueulasse, là. Et là, maintenant, c'est par où? Sur ce, demain cours à 8 h pour moi. Alors bonne soirée, ben bonne chance pour demain et bonne nuit à toi. Merci beaucoup d'être passé, d'être resté aussi longtemps. À la prochaine sûrement. Merci beaucoup et bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Ah, je peux revenir par là, c'est pas mal ça. Ah, d'accord, en fait c'est ça la suite. Ok, d'ailleurs. Ouais, je me rapproche de mon objectif en principe. La carte est en bas, comment je descends? Par là. Ah, cette zone, ça va être un plaisir. Il y a tous les mobs de pute. Les mains, les marionnettes, les... Ah, là, là, là. En même temps, c'est un peu le Rykard, c'est un peu le comment dire, le ah merde, comment ça s'appelle? Comment il s'appelait déjà? C'est un peu le Sullivan de Elden Ring. Sullivan qui faisait ses petites expériences de fifou là sur certains mobs et qui du coup a donné des mobs vraiment dégueux. Ou même Thief dans Dark Souls 1. Bon, ça y est. On a la map. J'ai peut-être raté une grâce qu'il devait y avoir au niveau du boss, du coup. Bon, au moins on a la map. On a la map, ça c'est cool. Je pense d'ailleurs qu'on va peut-être s'arrêter là. Parce que j'ai eu ma dose d'Elden Ring aujourd'hui. Après, est-ce qu'on va s'arrêter définitivement? Je sais pas si j'arrête le live. Parce que j'aurais bien envie de continuer peut-être un peu. C'était où que je m'étais arrêté? Je crois que c'est là. À moins que. Je sais plus. Je sais même pas où je me suis arrêté, c'est monstrueux. Déjà, tu m'avais dit qu'il y avait il y avait quelque chose ici. Donc ce serait bien que j'aille le chercher.
Avec le P toujours. Ouais, bon, celle que j'avais vue la première fois, il n'y avait pas le P, il n'y avait pas le montage avec le mec qui fait son bruit. Mais bon, celle-là m'a bien plu et bon, j'ai pas beaucoup de temps pour la trouver, donc j'ai pris la première qui mettait en scène cette situation, quoi. Oui, on le sait tous. N'empêche, j'espère que j'étais bien mute, hein, parce que j'ai posé un classico, tout l'immeuble a dû m'entendre. Hein. Qu'est-ce que quelqu'un sait ce qui vient de se passer là? T'étais pas mute. C'est ça, ouais. Mais t'as un micro qui réduit bien le son, quoi. Non, non, je t'assure. Mais attends, vas-y, je vais dire saucisse. Tu me dis si t'entends quand je dis saucisse. T'as entendu ou pas? Tu l'as pas dit. Mais non, mais je t'assure, j'ai un mute sur mon casque. Casse pas les couilles, je te dis que je suis mute, c'est que je suis mute. Non, tu l'as pas dit. Attends, je me mets bien proche du micro. T'as entendu quand j'ai dit saucisse ou pas? Saucisse. C'est trop, il marche pas ce bouton mute. Moi j'en sais rien. On s'en branle. Saucisse merguez. Ah non, c'est un pilier entier. Ok, je peux pas y aller. Bon. Tombe des héros de Gelmir. MDR, non, je troll, on entend rien. Bah, nickel alors. Nickel, nickel. Tu m'entends là ou pas? Parce que je sais plus du coup si je suis mute ou unmute. Oui. D'accord, nickel, merci. Oula, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu ça dans plein de vidéos YouTube. Et ici, souvent, les gens, ils mouraient. Non, je le vois arriver là, le chariot des enfers là. Ah oui, pardon, il vient jusque là. Ah d'accord. Oh! Mate, y'a fou! Et on peut pas le tuer, le chariot des enfers, c'est pas un mob? Mais là, je suis bloqué, je peux juste pas passer alors. Non, je crois pas que ce soit un mob, hein. Mais là, c'est pas que c'est dur, c'est juste que genre il y a ça qui me barre la route, quoi. Et je peux pas passer, quoi. Sérieux? Non, non, là, les hitbox, vous avez abusé, quoi. Vous avez abusé. Skill diff, ça, cette mort, c'est skill diff. Excuse-moi, mais putain, la hitbox, quoi, merde.
Peut-être il faut que je speedrun avant qu'il arrive. Ah, ok, j'ai speedrun ici. Mion! Ah merde, il va tourner juste devant du coup. Ah quel bâtard. Ne lâchez rien, merci, tu me sauves la vie là. T'es plus sympa que mes viewers. Cherchez confusion. Là c'est cool, on peut passer là. Tenter ma couille. Oh. Il y a des effigies de Marika dans ces machins là, parce que si je dois tout me retaper à chaque fois, on n'a pas fini. Hein. Ouh, toi t'es un filou toi. Nous on est des petits filous, tout ce qu'on aime c'est faire les fous. La troupe de salopes. C'est quoi ça? C'est des gens full dex, c'est ça? Attends, je vais checker, je pense que je suis safe. Ta gueule, build force. Rocket League saison 13, merci la pub, ça fait plaisir. Nouvelle voiture, waouh. Nouvelle voiture, waouh. The Fun Guys. Ah, ils font un effet de moisissure, c'est ça, ces bâtards. Ah ouais, affreux. Oh, affreux, ils jettent du poison, oh putain. Ah ouais, d'accord. J'aurais dû les backstab, ça m'aurait économisé un heal. Ah bah toi, tu vas m'économiser un peu. Tu veux voir la forme ultime du Ouga? Ah, c'est pas moi la forme ultime du Ouga? C'est quoi? C'est avec le, c'est le double marteau, c'est ça? Ah ouais, The Wall, ouais je l'ai vu partout celui-là, il est incroyable. Mais d'un côté c'est pas drôle de jouer bouclier, t'as zéro portée, enfin, c'est pas intéressant quoi. Coucou. Fuis, c'est ça, et prends-toi les flammes. Ah, le bâtard, il a eu de la chance dans son malheur. Carreau.
failli faire une bêtise. Ça va. Je sais même pas si on est descendu du ou si on est monté par rapport à là où on était tout à l'heure. Je sais même pas si c'est le même chariot, je pense pas. Oh, raté ma couille! T'aurais dû enlever ce chandelier de ton champ de vision. Ah mais y'a ton pote en plus en face qui te laisse te faire buter sans rien dire là. Vous êtes vraiment très nul, messieurs dames. Ok bon, on a un chariot là, c'est bien beau, mais j'aimerais voir aussi. Enfin si, faudrait faire le chariot là quand même. On est d'accord que là c'est strictement impossible de monter, hein. À moins que. J'aurai jamais le temps. Dites-le que j'aurai jamais le temps. Vous pouvez le dire. Ça servait à rien en plus. Ouf! Clé lame de pierre. Ça pour une clé lame de pierre de merde là? Ouf! Y'a pas un petit truc caché là? Non, bon ben on va se remettre dans le coin alors. Voilà les squelettons. Mourez les squelettons. Putain. Ta grosse mère la pute. À celui qui a eu l'idée de mettre ses chariots dans les escaliers là. C'est vraiment une idée de merde. Je pense que c'est le même qui a eu l'idée de mettre un éclair qui te focus contre Fortisax. T'es une pute, t'es une pute, et ta mère était une pute. Et sa mère avant elle était une pute. Dans le coin, on craint rien dans le coin. C'était le boss de certains catacombes, ça. Là, vous êtes en train de me dire, ah ouais, mais t'es censé monter dessus, en fait, pour pouvoir descendre. Ah oui, en effet, je suis censé monter dessus. Ouais. Oh, je l'ai vu. T'es une pute. T'es une pute. Pourquoi t'as besoin de prendre de la vitesse quand tu tombes d'un rebord? Je l'ai vu.
Ah merde, oui, c'est vrai. Comment je fais avec lui du coup? Faut que je le suive en bas? Ouais, je pense qu'il faut que je le suive en bas. Oh, c'est catastrophique ce que je suis en train de faire là, c'est catastrophique. Non, c'est pas le moment. Enfin, quoique si, c'est très certainement comme ça que je suis censé le faire. Ça passe aussi comme ça. Aïe. Ah ouais, d'accord, en fait ça continue plus, je suis obligé. Je suis obligé, ok, bon bah on va faire ça. Into. Du coup on monte là-haut. Ah, ça reste désactivé, c'est trop bien. Vous l'avez réactivé par contre. Tu me fais chier, toi? J'étais allé voir ce qu'il y avait là-bas, oui, j'y étais allé. Mais oui, c'est là-bas qu'il y a les deux coquinous cachés. Ok. Pourquoi j'ai pris autant mon temps? Pourquoi j'ai pris autant mon temps? T'es heureuse, toi? Je me suis planté. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ok, c'est Dieu. God waves. Ah, God, il utilise la. Ah, il a one shot God, ok, d'accord. Ok. Force oignon, j'ai cassé un verre, je suis allé chercher mon balai, j'ai pas vu le bout de verre qui a volé, je me suis charcuté le pied. Mais mec, aussi, le premier truc à faire quand tu casses un verre par terre, c'est de mettre des chaussures. J'ai enlevé le bout de verre à la main. Ouais, maintenant tu vas te recoudre comme Rambo.
chaussures sont au même endroit que mon balai, trou duc. Eh, mais comment tu veux que je le sache, moi? Mais pas tes chaussures à côté de ton balai aussi, c'est la première règle dans un appartement. On ne met pas les chaussures à côté du balai. Faut tout lui apprendre à lui, hein. Je suis pas si con. Bah... Honnêtement, là, on se pose des questions là. Merde, c'est où le prochain? Ouais, non, si, c'est ça qu'il faut faire. Ça, puis ça, puis ça. Non, mais arrête, c'était une belle journée quand même. Alors toi, je sais pas qui tu es, mais t'as du flow. Oh, t'es un croc de limier! Mange mon zizi. Putain, il nous met plein de fringues. Allez, moi je passe en lurk, j'ai Tasha qui lance Sekiro, vas-y, vas-y. Merci pour le lurk. Je vais rester dans mon lit, ça vaut mieux. Bonne journée, oui. Tu veux que je te paye un jeu? Ou une prostituée? Au revoir, monsieur. Non. Non pour le jeu ou pour la prostituée? Je suis une bite, ma vie est un échec. Oui, une pute. Non, je rigole, pauvre femme. Bah arrête, c'est un honneur de coucher avec toi. Va pas te dénigrer comme ça. Et en plus d'être payé pour ça, t'imagines? Évidemment, c'est de l'humour, hein, je plaisante. Ne vendez pas votre corps, c'est pas bien. C'est pas moi qui suis payé, non? Mais t'as pas compris ce que je voulais dire, moi, c'est pas grave. Non, j'ai pas compris. Non, je disais, c'est un honneur de ken avec toi et en plus d'être payé pour la meuf.
Ok, donc là je suis censé sauter là en fait. Ok, d'accord. Allez, je vais manger. Ah non, j'ai oublié d'acheter des pâtes. Ha ha ha. Alors, où c'est qu'il y a des trucs sympas? Il y a des trucs sympas un peu partout, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de ce côté-là. De l'autre côté, là, qu'est-ce qu'on a? Non, je crois le. Ouh, j'ai cru que j'allais y passer là. Ok, bon, bah c'était par là, nickel. Alors là, s'il y a un boss sans effigie de Marika, ça risque de piquer un peu. Oula, ouais, il y a l'effigie de Marika, très bien. Ça a l'air vénère en tout cas la présentation de la zone là. Ça a l'air cool. On va y aller. Let's go. Ah, c'est un loup. Ah, j'en ai vu des comme ça. Ouais, non, le loup est pas à la hauteur de la zone, hein. Sauf s'ils sont deux à la limite. Là, ce serait un truc de fou, ça. Aïe. Ah d'accord. Ah et on peut invoquer un chevalier limier du coup. D'accord, très bien. J'ai du riz qui date de l'an 2000, ça risque pas. Non, le riz c'est sec, normalement ça a un... Le sec ça a un... Mortefleur, d'accord. Le sec normalement ça craint pas. Hein. C'est de l'antige le build force. Non, ça va. Ça va. Après il avait 0 PV aussi, faut le dire. Hein. Genre celui que j'ai affronté dans la zone qui est ici. C'est même pas un boss. Non, pas là. La zone qui est ici là. C'est même pas un boss et il avait 4 fois plus de vie. T'as trichote le mob. Oui, j'ai bien vu que j'ai trichote le mob. Mais quand même. C'est que là, ils pouvaient lui mettre plus de PV, ils l'ont juste pas fait quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aller où? Je voulais aller au début, je crois. Ah, si, aussi, il y a, je crois, il y a un chevalier à l'église des vœux. En même temps, c'est la troisième zone du jeu, là. Hein. Non, normalement c'est censé être plus dur, mais enfin j'en sais rien, écoute. T'as pas fait dans l'ordre. Ah pardon, pardon, pardon. Pardon, alors dans ce cas. Cabane de l'artiste. Hein? Apparemment à l'église des vœux, il y en a un. Si c'est la troisième, d'accord. Alors c'est dommage, t'as enlevé ton shift sur le. Sinon, il t'aurait pas donné l'invitation à l'académie. Ah oui, c'est vrai. Si on met la nuit, qu'on lui parle et qu'on se repose, est-ce que ça fait spawn un truc?
Ah oui, ça marche. Aïe. Ok, donc il y en avait bien un là, c'est très bien. Perle de marchand de chair. Oh. Faut lui donner un item que t'as pas là. À qui? À la tortue là? La tortue, oui, ah d'accord. Mais oui, non, je l'ai pas là. Donc il m'avait dit qu'il y en avait un là, il m'avait dit qu'il y en avait un autre part, je crois aussi. Mais je sais plus où. Je sais plus où. On va dire que c'est tout, hein, alors. Frère Corinne, il est là. Est-ce qu'il cherche celle-là? Ah oui, aussi un truc qu'il a fait lui. Il avait un dragon dans les sous-sols, mais je sais pas si moi il est débloqué le dragon. Juste ici là. Est-ce qu'elle dort? Non, elle ne dort pas. Est-ce que si je mets la nuit, elle dort? Mais je crois qu'il faut. Il faut que je fasse une quête pour qu'elle s'endorme. Non, elle ne dort pas. Ouais, il faut que je fasse une quête. Merde. Bon, bah je peux pas la faire alors, je peux pas faire le dragon. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Je crois qu'il m'avait dit. Je crois que c'est tout. Ah si 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 là. La truc du début, pardon. La truc du début. C'est où? C'est pas là, non. Cimetière abandonné. Bon, le commencement, tout simplement. Le commencement. Au commencement, in the beginning. Là, il avait laissé un truc là, il avait dit quoi? Chercher l'église de la rose. Ah oui, c'est vrai qu'il y est lui. À l'église de la rose. Ah, on entend des hurlements d'ici, c'est sympa.
Oh merde. Comment ça, empoisonnement? J'étais plus dedans. Oh. Ok, et on retrouve notre ami le chariot là qui nous avait manqué. Tombe des héros des confins, d'accord. Ok, j'ai peut-être overlevel pour cette zone. Mais puisque c'est quelque chose qui est débloquable depuis le début en fait. Donc oui, c'est normal que les choses y soient simples, ok. Bon bah cette zone, je suis désolé, mais en termes de dégâts, je risque de rouler dessus un peu. Il va nous suivre là, sinon c'est pas drôle. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ah non, il remonte. Il y a une suite ici? Non. Attends, je vais voir ce qu'il fait quand même, parce que si jamais il descend et que je le vois pas, je vais l'avoir mauvaise. Ok. Ça y est, descend. Ah, mais s'il s'arrête juste là, il vaut mieux que je le suive. Voilà. Oh non, c'est du suicide. Ouf! Dans les deux cas, c'est du suicide, j'ai l'impression. Ah merde, on mise sur la descente ou la montée? Allez, la montée. Il a tourné? Ah, je pensais pouvoir passer tranquillou, en fait non. Qu'est-ce qui branle? Bon allez, moi je te laisse, je vais regarder le match cassé et je lance un stream après. Ça marche? Ça marche, ça marche. Je passerai sur ton stream sûrement. Pas besoin de passer, c'est du League of Legends. Ouais, mais pour faire des vannes. Pour faire des vannes. Sceau de communion draconique. Oh, sérieux, c'est mieux que ça ou pas?
Ouais, non, ça va pas le bonus fois. Ah putain de ta mère. Je pensais que ça passait pas. Oh, sale bâtard, là, t'as fait n'importe quoi, là. Bon, faut que je descende. Très bien. On va descendre, hein. Merde, j'ai pas changé le nom du stream. Bon, c'est pas grave. Tiens, pas avant de mettre ça. Tac, ok, ça part. Hop là. Ok. Oh merde, tu me fais chier toi. Non, fais pas ça, mec. Monte, monte ici. Voilà. Maintenant, on descend. Ok, ça a l'air de descendre bas.
Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah allons-y, qu'est-ce qu'on a là? Ah, d'accord. Ah, je risque d'être un peu overlevel. Ouais, je suis un peu overlevel. Ah merde, il m'a bouffé. Couché. Y'a un chest ou pas? Ah non, y'a pas de chest. D'accord. Je comprends que ce soit. Que ce soit en début de jeu. En vrai, ça aurait été mieux de le faire plus tôt. De me souvenir de son existence un peu plus tôt. Bon. Oh, c'est pas grave, hein. C'est pas dramatique. Que vais-je faire? Marchand de nomade. Il a toujours été là, lui? J'ai oublié. Il devient quoi, Calais, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu vends de joli? Ah, c'est vrai que j'ai pas de télescope. Est-ce que ça pourrait être utile? Relais en ruine, fiole de salut miraculeux, ok. Peut-être acheter le télescope, ça pourra peut-être. Claquement de doigts. M'a dit d'aller vers les hurlements en bois brumeux, c'est rigolo ça. T'as trouvé un doigt dans la tombe des héros? Non. Laquelle? Parce que attends, j'en ai fait deux là. J'ai fait celle-là du coup. Et celle là-haut là. Celle. Merde, elle est où? Celle-là. Au Mont Gelmir. Non, je crois pas avoir trouvé un doigt. D'ailleurs, j'ai trouvé une morte fleur. Ce serait bien que j'aille la porter. Un doigt, un doigt, un doigt. Griffe bestiale. Oh. Alors retourne-y et débrouille-toi pour aller au bout de la première allée avec le chariot. Roule dans la lave, mais va jusqu'au bout. Ah! Ok, tant que t'es là et que t'es pas en lurk, juste redis-moi. Pour avoir le fight contre le dragon là, quand elle dort, il faut faire quelle quête?
Et avant les gargouilles, il va parler au mec. Ah oui, c'est vrai que le mec est avant les gargouilles, mais moi je les ai ratés. Alors, attends, c'était où les gargouilles déjà? Réfléchis, utilise ta tête. Les gargouilles, c'était en bas, je crois. Oui, il est là, lui. Roule dans la lave mais va jusqu'au bout. Allez, au bout de la première année avec le chariot. Parce que oui, j'étais monté sur le chariot. Ah, mais il y a même deux portes, ça veut dire que j'en ai raté une. Et là, ça mène où ça? Ça mène en haut. Il y a un loot ici? Non, il n'y a pas de loot, d'accord, c'est juste du level design. Ok. Ok, bah j'essaierai de. Ouais, j'essaierai de voir ce qu'il y a. Mais non, merde, il devait être avant encore. J'ai dû passer devant lui. Et oui, il est là. L'armure géminée, oui. Ouais, les DVT jumeaux, j'ai cru comprendre, ouais. Oui, non, elle a pas de dialogue, elle me fait un câlin direct. Ah, quoique. Je vais me reposer au feu, je vais voir si ça change un truc. Sinon, je vais retourner parler au gars. Ah, elle dort là, non? Ouais, ça m'a l'air bien. C'est parti. Bon, bah allons faire ce petit dragon là. Allons faire ce petit dragon, ok. En off, là, je viens de récupérer la meilleure armure du jeu. Ah, bah GG, mec. Ah ouais, non, j'avoue le. Le ciblage est cassé, c'est chiant. Aïe. Aïe! Qu'est-ce qui m'a touché là?
plus il crache du feu. Qu'est-ce qu'il branle là? Pourquoi il bouge pas? Pourquoi il se passe rien? Aïe. Eh oui, mais comme il tape deux fois, comment on fait? En fait, faut juste pas être dans la traînée, quoi. Oui, faut pas être dans la traînée, ok. Faut esquiver, mais plus loin. Mais elle pèse 2 tonnes. Bah, tu m'étonnes qu'elle doit peser 2 tonnes. La joie se lit sur ton gameplay. Bah, c'est relativement moyen. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que j'y vais pas avec le baume au cœur, parce que j'ai vu ton gameplay juste avant. Et que je sais que le boss, c'est de la merde. Donc, oui. Oui, c'est sûr que... C'est sûr que c'est pas très joyeux. Qu'est-ce que tu fais là, faire du vent là? Moi aussi je peux faire du vent. Non, en vrai il est vite fait fun, c'est sympa quand même. Tu vas où comme ça? Tu fais n'importe quoi, hein, jeune dragon, honnêtement. Je ne vois rien à ce que tu fais. Ah, tu me crames le cul, visiblement.
Non, pas le caca, pas le caca. Ah, j'ai plus rien. Oh! Haha! Je m'en bats les couilles! J'ai gagné! Ça t'en bouche un coin? Petite merde! Fortisaxe de mes cacahuètes! Par contre, pour 1 000 fois, bonne récompense! GG! Du coup, j'ai besoin d'y retourner, je peux pas. Ah oui, non, je peux pas y retourner! Ok, et du coup ça a quoi de spécial hein? Ce que je viens de choper, du coup tout est... Bon, je peux plus me faire câliner par la salope, mais bon, j'ai la rune, elle fait quoi? Permet de restaurer le cercle d'Elden brisé. Né de l'union des marques sacrées en forme de demi-rose, alors... D'accord, donc c'est une fin du jeu, je suppose. Voilà, la fin mort. Ok, d'accord, très bien. C'est très très bien, c'est très 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 bien. GG, niveau combien? Comment ça, niveau combien? Niveau combien je suis là? Je suis niveau 94. Alors ça c'est cool. Oups, je suis level 110. Ah. Et je l'ai battu ra plus rapidement que toi. Hein. Attention, hein. Non, je connaissais ce pattern. Oh ta gueule. Mais oui, non, je connaissais les patterns, c'était trop facile. On peut récupérer ses fringues. Ah ouais, elle avait qu'une capuche et qu'une robe. Ça veut dire qu'elle était toute nue en dessous. Oh là 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 là. Bon. Bon, tu fais ce que tu veux, toi. Écoute. Hein. Il se passe quoi si je me re-repose? Il a laissé un petit quelque chose. Ah, il est mort, d'accord. Épée en alliage, casque géminé, cuirasse géminé. Ok.